peut-être fort, regarde. Moi, je vais juste se passer. Alors on est sur le lac de Bages et on essaie de pêcher la truite, il y a énormément de monde tout le tour. Le ciel est en train de s'éclaircir, parce qu'il va faire soleil tout à l'heure. Voilà, c'est un lac qui est réservé uniquement pour la truite. Voilà, c'est un joli plan d'eau, réservé uniquement à la truite donc. Alors JP le rouge en pleine action. Non, c'est pas que c'est profond où il est, mais c'est qu'il est petit. C'est pas pareil. Il vient de m'insulter. Eh bien, c'est triste ou net. Hein. On voit les truites mouchées, mais elles sont au milieu du lac. Hein. Je ne sais pas comment on va faire pour aller les chercher. Hein, parce qu'elles ne viennent pas ici. Ah, c'est normal. Voilà, là nous sommes sur l'étang de la Gourde, près du lac de Pareloup, toujours. Hein. Donc c'est un étang qui est classé en première catégorie. Et toute la partie haute, là-bas au fond, que l'on voit, est réservée pour les oiseaux. C'est interdit d'y aller. Bon, c'est un petit étang qui contient des truites et aussi des brochets. Allez, on va essayer de faire quelque chose encore. Donc dimanche après-midi, on est sur le Vior, au niveau de la Capelle Vior. Donc je suis avec le chef Truitor, qui est parti devant pêcher au Rapala. Et là, avec JP, on va essayer de pêcher. L'eau est jaune, un peu sale. Un peu trop sale à mon goût, mais bon, on va voir. On vous tient au courant, hein. Oh, j'ai JP là.